Salut tout le monde, bienvenue sur Mgear Backpacking. Alors, aujourd'hui, je profite de faire un petit bivouac en forêt, dans un coin que je connais absolument pas. Voilà, j'ai trouvé un petit spot qui est pas trop mal. Lors de ma dernière vidéo, j'avais eu la chance de pouvoir m'installer sur un terrain privé. Bon, l'accès m'avait été autorisé par le propriétaire. Cette fois, je me dis, bon, on va peut-être faire quelque chose d'un peu plus sauvage. Voilà, notamment pour faire une petite vidéo un peu plus orientée sur le Tomahawk. Donc mon Tomahawk Face 777, donc artisanal américain que j'avais présenté lors de ma dernière vidéo. Donc là, voilà, on va rester sur cette thématique, mais de façon un petit peu plus détaillée. Parce que le Tomahawk, voilà, comme j'expliquais précédemment, c'est un outil qui me paraît vraiment très pertinent, très adapté à l'usage outdoor, randonnée, bushcraft, on peut même dire d'une certaine façon survivaliste, prepper, peu importe comment on appellera ça. Tout ce qui est activité outdoor, qui sous-entendent, toutes les activités du moins outdoor qui sous-entendent qu'on va porter des charges, voilà, tout ce cadre-là me paraît parfaitement... me paraît justifier parfaitement le port d'un tomahawk, l'utilisation d'un tomahawk plutôt que d'une hache. Encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois, attention, je crache pas du tout sur les haches, hein, faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Bon. Petit coin où il y a un petit peu de bois. De quoi faire du feu. Je sais que ça va se passer dans ce coin-là. Je me dégote mon petit spot final. Et je vous montre un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai trouvé mon petit spot, c'est pas trop mal. Vous pouvez constater, c'est pas super beau, il pleut, il y a du vent. Ah bon, c'est le jeu. Bon allez, faire une petite installation. Pour info, mon abri, ça va encore être une forme de méga tarp custom. Donc ce que j'avais déjà fait dans le passé, celui-là, je l'ai pas présenté, c'était une version toute fermée. Une version un peu spéciale, une version spéciale hiver, que j'ai spécialement bidouillé pour pouvoir y placer un petit réchaud à bois, un petit poêle à bois en fait en titane. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc je fais ma petite installation. Après on va passer aux choses sérieuses. On va jouer avec les outils qui sont dans le sac, notamment encore une fois le tomahawk. Allez, au boulot. Alors voilà, ma petite installation est terminée. Voilà la bête. Donc ici on voit le tuyau du poêle, la petite cheminée. Il faut savoir que là à l'intérieur de l'abri, il fait très très chaud, il fait super bon. Bon, ceci dit, voilà, je suis un peu gourmand. J'admets, normalement, ça c'est vraiment l'hiver, température négative, il neige. Voilà, là je voulais me faire juste un petit plaisir, être bien, tranquille, puis sortir un petit peu le petit poêle de tente. Je vais vous montrer des petites photos, c'est assez marrant. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, ceci dit, bon, c'est pas non plus les tropiques. On va faire une petite vidéo un peu plus poussée au sujet du tomahawk. Le tomahawk de façon générale. Et on va un peu aborder aussi mon Face 777. Voilà, ça va être une forme de review. Encore une fois, voilà, j'ai fait un petit peu de bois très rapidement. C'est-à-dire que bon, pour un poêle à bois, c'est des petites bûchettes, hein, c'est pas des gros travaux. On va quand même faire bosser le tomahawk. Alors, on va se trouver un bon bout de bois. Tiens, ça y est, j'ai trouvé une victime. Un petit rappel historique, hein, pour tordre un peu le cou, aux idées préconçues selon lesquelles le tomahawk est une arme de combat. Il faut savoir qu'à l'origine, les tomahawks indiens consistaient tout simplement à un manche en bois dans lequel les indiens fichaient une lame en pierre, souvent en obsidienne. Ensuite, les colons européens sont arrivés, notamment les Français, les Anglais,
et le tomahawk tel qu'on l'imagine aujourd'hui, donc comme ça, avec une lame en acier, en fait, a été plus ou moins importé. C'est-à-dire que les colons venaient avec des outils, très souvent des haches de charpentier, des haches de charpentier de marine. Ils avaient des fers, des lames de rechange, tout simplement dans l'outillage nécessaire à leur installation. Et ces haches, qui étaient un peu en surplus, ces fers de haches, étaient troqués avec les Indiens contre des pots, des vivres. C'est là que les Indiens, en fait, ont un peu découvert la lame en acier. Voilà, ils ont très vite compris l'intérêt d'avoir une lame en acier plutôt qu'une lame en obsidienne. Donc ils ont tout simplement réadapté les lames. Parfois, ils les ont retravaillées, recoupées, reformées, on va dire. Et ça a donné les tomahawks, on va dire, traditionnels, les néo-traditionnels, on va dire. Voilà, donc le tomahawk tactique n'a rien à voir avec le vrai tomahawk. D'ailleurs, le tomahawk tactique tient plus de la hache de pompier avec un petit semblant de hache viking. Voilà, en général, le fait de les appeler des tomahawks, c'est pas tout à fait exact. Voilà. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo précédente, ces tomahawks ont des formes très agressives, des piquants partout, des tranchants. On peut difficilement les tenir autrement que comme ça, pour avoiner le gars d'en face ou éventuellement fracturer une porte, dépiauter un véhicule peut-être aussi. Donc ils ont plutôt tendance à se rapprocher des outils de pompier qu'autre chose en fait. Voilà, les vrais tomahawks donc, sont tout simples, un manche tout droit. On notera ici la façon dont le fer est monté. Donc rien à voir avec une hache dont le fer va être inséré par le haut avec un coin ici pour écarter le bois, tout simplement pour se coincer dans l'œil. Les tomahawks, à l'inverse, ont un fer qui se rentre par le bas et qui vient se coincer en haut. Si on regarde bien le manche du tomahawk, on remarquera qu'il est un petit peu plus large ici que là. En fait, le fer vient se rentrer en force à ce niveau-là. Quand c'est bien fait, ça bouge pas. Il faut savoir que c'est très très fiable. C'est d'ailleurs un des avantages du tomahawk. Alors pas celui-là pour le coup, parce qu'il est tellement bien fini, tellement bien ajusté qu'on ne peut pas démonter le manche. Il faudrait forcer pour ça, et franchement, j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas spécialement envie non plus d'ailleurs. Voilà, un des gros avantages du tomahawk, c'est qu'on peut tout simplement faire glisser le manche et utiliser le fer seul. Sur certains, encore une fois, pas sur celui-là. Deuxième avantage, c'est que sur un tomahawk traditionnel comme celui-ci, si le manche vient à être cassé, parce que ça peut arriver, on aura beaucoup moins de mal à refaire un manche sur place, sur le terrain, et réinsérer la lame. On a beaucoup plus de facilité à faire du remplacement qu'on en aurait avec une hache. Une hache, il faudrait, la plupart du temps, la technique, c'est de brûler le bois qui reste dans l'œil pour dégager tout simplement le bois qui est resté en fait au-dessus de la cassure. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc un tomahawk, plus polyvalent, plus facile à réparer sur le terrain en cas de besoin. Alors maintenant, concernant l'utilisation, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de décrier la hache. Il s'agit juste de dire que voilà, le tomahawk, il faut arrêter de lui casser du sucre sur le dos. Parce que le tomahawk, c'est un bon outil. Et oui, il fait très bien son travail. Encore une fois, il n'aura pas la puissance d'une hache, mais là on parle d'un outil, encore une fois, de camp. Il ne s'agit pas de faire des stères de bois pour tout l'hiver. Il ne s'agit pas de taper des bio gros comme ça, voilà, il s'agit de faire des bûchettes, des bûches, même des belles bûches d'ailleurs, hein, c'est tout à fait respectable. Donc finalement, pour ceux qui connaissent la marque Grand Force par exemple, avec un tomahawk de ce genre-là, on a largement l'équivalent d'une Wildlife, presque même d'une Small Forest, on est entre les deux, pour un bois qui est inférieur. Voilà, ce tomahawk-là, tout inclus avec son étui en cuir, pèse 620 grammes. Franchement, c'est que dalle. Le manche est très léger, la tête est un petit peu plus petite que celle d'une hache, ce qui fait aussi le gain de poids, mais ça permet aussi de faire des mouvements beaucoup plus rapides. On se fatigue beaucoup moins à la tâche. Ouais. Suivant les fabrications, certains vont faire des tranchants très fins, très incisifs, d'autres vont faire des tranchants plus larges. Là, par exemple, sur la réalisation de Brian Otto, donc le forgeron qui forge sous la marque Face 777, alors on voit que c'est une lame qui est très fine. Donc ça rentre en matière assez violemment, c'est assez vénère comme tranchant. D'ailleurs, concernant l'acier, pour ceux qui se poseraient la question, très souvent les aciers utilisés pour les haches et les tomahawks ont tendance à être des aciers à haute teneur en carbone. Brian Otto, lui, se démarque un petit peu, lui il préfère utiliser un acier en tout cas à moyenne teneur. Voilà, lui il a plutôt tendance à favoriser un acier qu'il appelle le 41-40.
J'ai pas trouvé une appellation européenne qui serait éventuellement plus connue. Le 41-40, pour faire simple, c'est un acier qui est utilisé pour les canons des armes, les mécanismes aussi, toutes ces pièces qui vont subir des grosses contraintes en fait. En fait, le 41-40 est un moyenne teneur en carbone, mais qui contient une assez importante proportion de molybdène. Le molybdène durcit en fait la structure de l'acier. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, ça c'est pas ma spécialité, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés. Je me suis juste un petit peu renseigné. Donc c'est un acier qui va avoir un bon tranchant, il va garder son tranchant. Celui-là, je peux vous dire qu'il voit pas souvent la pierre à affûter, et pourtant je m'en sers pas mal. Je m'en sers, et l'affûtage c'est vraiment quelque chose d'assez anecdotique. Donc voilà, au niveau de l'acier, on n'est pas sur des aciers très réputés comme le 1095 ou XC95 suivant l'appellation, même XC75, on n'est pas du tout sur ces aciers. Ryan Auto précise bien que son acier, il l'a choisi pas pour la réputation, pas pour le côté marketing. Voilà, il a voulu un acier bien spécifique qu'il a lui-même choisi après de nombreux essais. Voilà, donc assez parlé du côté technique. On va voir comment on peut jouer avec cette petite bête. Sous le tarp, je peux vous assurer qu'il fait très très bon grâce à mon petit poêle. Ah, c'est presque honteux. Voilà, comme quoi là, parfois ça fait ça suscite une petite réflexion sur le principe de l'ultralight. Je comprends parfaitement la démarche de vouloir on va dire supprimer au maximum le poids et les volumes, on va dire un peu superflu. Faut savoir qu'un poêle comme celui que j'utilise là, ouais, je suis à peut-être 400 grammes. Bon, c'est du titane. Ça joue évidemment.
Mais bon, comme quoi, parfois, on va dire le backpacking, parce que c'est une pratique à part entière chez nos voisins outre-Atlantique. Le principe du backpacking, c'est pas forcément de partir à poil pour être le plus léger possible, parfois aussi. Le facteur confort peut être important. Et ici, on n'imagine même pas pouvoir être autant au chaud sous n'importe quelle condition. J'imagine là, il pourrait neiger, ce serait pareil. Je pourrais être en t-shirt et j'ai presque trop chaud là. Donc l'ultra léger, je comprends parfaitement, mais voilà. Parfois, à moins de ne rechercher que la performance, parfois on peut aussi tout simplement chercher un peu de confort. Voilà. L'ultra léger, là, s'il faisait beaucoup plus froid, tout ce que j'aurais à faire, c'est me recroqueviller avec deux ou trois couches, une doudoune, peut-être même dans mon sac de couchage, parce qu'il commence à être. La nuit commence à tomber. Est-ce que c'est si superflu que ça, un peu de confort ? Voilà. La notion de superflu, c'est quelque chose de très personnel. Évidemment, oui, mon poil, je pourrais m'en passer, je pourrais me mettre une doudoune plutôt, mais bon, voilà, d'un autre côté, je fais pas de feu en extérieur. Donc, en plus, c'est vachement plus discret. C'est pas négligeable. Inutile de rappeler que le camping sauvage, encore plus avec feu, c'est totalement interdit. Donc, si on peut gagner en discrétion, en plus, c'est pas négligeable. Alors, petite visite du propriétaire. Alors, forcément, comme la nuit est tombée, on voit pas grand chose. Le poêle. En pleine action, popote, le sac de couchage, voilà, le sac à dos, le tout sur la petite couverture de survie US Army, avec l'isolant, très costaud, réutilisable, bon à volonté peut-être pas parce qu'il y a un moment où il se fragilise. En dessous ici, le tapis de sol Thermarest pour garder la chaleur. Le petit stock de bois avec l'éponge qui est gentiment en train de sécher. La lanterne Gold Zero. Voilà. Mon petit chez moi pour la nuit. Voilà. Ça tourne, ça tourne. Bonjour, après une nuit vraiment confortable, très confortable, dans un bon sac de couchage, c'est un snack pack, j'ai pas pu trop faire de détails sur le sac de couchage parce que la météo, parce que la nuit, parce que voilà. Voilà le sac, donc c'est un snack pack, un sleeper light en multicam, parce que je suis un maniaque, vous savez bien. Donc franchement, ça m'a un peu réconcilié avec Snug Pack. J'avais un petit problème. Voilà, j'ai souvent été déçu par des produits Snug Pack. Donc voilà, le sleeper light, très bien. Bon, par contre, il faudra vraiment chez Snug Pack qu'ils apprennent à faire des sacs compressifs. Parce que à remballer et à renfourner, c'est pas simple. Alors là, il y a du vent. Je crois que ça s'entend. Donc j'ai remballé un petit peu à la va-vite. Pour info, le poêle a tenu une bonne partie de la nuit, donc ça a contribué quand même, j'avais presque trop chaud d'ailleurs, donc ça a bien contribué au confort, une nuit où ça a bien soufflé, bien soufflé. L'abri n'a pas bougé, bon là j'ai démonté déjà certains éléments qui aident à faire la tension, donc forcément
qui fait un peu la tronche. Donc voilà, je vais le remballer, je ne vais pas faire dans le détail avec une vidéo parce qu'il y a beaucoup de vent, ça va voler, mais bon, enfourner une toile de nylon dans une pochette compressive, il n'y a rien de scientifique, il n'y a pas besoin de revue pour ça. Voilà, je vais l'emballer, je vais vous le montrer remballé et je vais me remettre en marche pour rentrer à la maison. Allez, je remballe et je vous fais voir ça. Alors voilà, le tarp une fois plié. Voilà, tout ce qui pendouille de partout, c'est justement les petites... Voilà les petites paracordes, petites micro-cordes qui servent à le saucissonner. Alors bon, là il est mouillé donc il a pris un petit peu de poids. Sur la balance ça pèse à peu près entre 610-620 grammes grosso modo. Voilà. Donc avec la pochette évidemment, pochette qui est aussi une custom comme tout le reste. Donc voilà. Vous voyez, très léger, c'est vraiment léger. Là encore une fois, le fait qu'il soit mouillé, ça lui fait prendre un petit peu de poids. Ah bon. Bon petit abri. Allez, on remballe. Parce que là, ça commence à souffler. Et je pense que je vais me prendre une bonne drache. Bon, voilà pour cette petite session. Encore une fois, une petite vidéo rapide. C'était un peu pour montrer le délire tarp d'hiver avec le petit poil. Alors encore une fois, le poil, quand c'est pour une nuit, on peut s'en passer. Le poil, ce sera plus indiqué vraiment pour des températures beaucoup plus froides, des conditions météo beaucoup plus hardes. Et puis pas pour une nuit. Voilà, là je me suis fait un petit caprice. Au passage, je voulais un peu montrer le bestiau. Pour une nuit ça fait un peu juste quand même. Bon, ça se remballe relativement vite. C'est le truc qu'on va emmener, bon, quand on peut vraiment le rentabiliser sur 3-4 nuits, là à la rigueur ça le fait bien. Pour une nuit encore une fois, c'était pour faire un petit plaisir. Donc pas à négliger, même si ça peut paraître superflu, attention, faut pas trop tirer de conclusions rapides sur le matos. Voilà, encore une fois. Comme je le dis assez souvent, il ne faut pas prendre les équipements au cas par cas, il ne faut pas les prendre en fait individuellement. C'est bien de dire ouais, tel produit c'est léger, ça prend pas de place. Plutôt que de se focaliser sur un seul produit et ses caractéristiques, parfois je dis qu'il vaut mieux éventuellement même voir la façon dont tous les produits se combinent. Voilà. Il vaut mieux avoir plusieurs produits, plusieurs éléments. Peut-être un petit peu plus lourd, mais qui se combine intelligemment, que de faire que de l'ultralight et en fait tout le temps sacrifier le côté confort. Encore une fois, je comprends les gens qui font de l'ultralight, hein. Mais moi, ma vision des choses, c'est plutôt voilà, jouer un peu le confort, être bien, pour vraiment profiter, parce que finalement, le but c'est ça, c'est de profiter des moments, des nuits, des journées qu'on peut passer dans la nature sans forcément se faire. Sans forcément se faire violence. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu. Ça fait mal au bras, change de bras parce que tenir la caméra comme ça c'est pas génial. Donc voilà, j'espère que ça a donné des idées, que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de sortir. Voilà. Allez, moi je suis reparti, puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo et puis de nouvelles aventures. Allez, salut, merci d'avoir regardé.